Alors, donc Inch'Allah, c'est l'histoire de Chloé, qui est une obstétricienne québécoise qui vit en Israël et qui travaille en Palestine. Et donc, qui va rencontrer Rant, donc le personnage que j'interprète, qui est une jeune fille palestinienne voilà, qui est enceinte jusqu'aux yeux. Et donc, Chloé s'occupe. Et donc, voilà, on suit un petit peu Chloé qui est un peu. Qui est un peu happé par le conflit israélo-palestinien et qui est un peu entre cette amitié avec Rant, la palestinienne, et son amitié aussi avec Ava, qui est une jeune israélienne qui est sa voisine et qu'elle aime beaucoup, voilà. Eh bien, en fait, c'était vraiment, j'allais dire le hasard, mais non, pas vraiment, parce qu'en fait, c'est mon agent qui m'a d'abord fait lire le scénario d'Inch'Allah et j'ai eu un coup de cœur, mais plus qu'un coup de cœur, un coup de cœur, une claque vraiment. Et voilà, j'ai passé le casting en espérant décrocher le rôle de Rant et voilà, je l'ai eu. Ça a changé ça a changé ma vision, enfin, en fait, ça a complexifié ma vision sur le conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire que plus j'allais au contact des Palestiniens et des Israéliens, et plus ma vision se partait dans tous les sens, et plus je me rendais compte qu'il y avait plein de choses que nous, en France, on n'est pas au courant de plein de choses qui se passent, de plein de choses qui sont mises en place aussi là-bas. Et voilà, surtout. Et puis bien sûr, j'ai plus que tout, je me suis rendu compte de la souffrance et de la souffrance et des Palestiniens, mais et aussi des Israéliens. Et de la difficulté parfois pour certaines personnes des conditions de vie, de la situation, de tout. Ouais. Un film féministe, non, je dirais pas ça, non, je dirais pas ça parce qu'il y a aussi de beaux personnages masculins, mais c'est sûr que on a envie de représenter des femmes fortes, des femmes qui se battent malgré tout. Mais oui, c'est sûr que c'est l'histoire de ces trois femmes qui ont envie de, qui ont le même âge, qui ont tout pour être amies, pour aller faire la fête ensemble, qui devraient pouvoir aller danser ensemble et puis qui ne peuvent pas parce que ce conflit existe, parce que cette guerre existe. Mais ouais, c'est sûr que la femme est mise à l'honneur dans ce film, mais voilà, ouais.